Let's dance, 'cause tonight we're fire break. Hey, salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de LCS Le Trucker. Pour le coup, aujourd'hui on va se retrouver pour une cargaison, donc du coup avec mon volant pour le coup. Donc du coup on va partir, on n'est pas le type. Bon, j'ai un peu avancé parce qu'il a fallu que je fasse quelques petits réglages avec le volant. Parce que voilà, j'ai eu un peu de mal à comprendre comment qu'il marche. Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué, au début c'est assez compliqué à comprendre comment que ça fonctionne. Mais voilà, je pense que j'ai encore des petits réglages à faire, je pense. Ouais, je crois que j'ai le... j'ai encore des petits réglages à faire à droite à gauche, donc il va falloir que je m'arrête de temps en temps pour faire quelques petits réglages à droite à gauche, parce qu'il y a des trucs qui font vraiment le bruit. Centrage du rebond, gain de retour de force. Attends, c'est une vibration du moteur. On va baisser ça. Voilà, je pense que là, non. Normalement, je pense que... J'ai déjà commencé à le régler, mais je pense que... Ah oui, c'est mieux. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Donc du coup, j'espère que cette série vous plaît toujours autant, même si on fait pas autant de vues que sur les séries farming. Donc j'espère qu'au fur et à mesure du temps, vous allez vous y faire, que vous allez apprécier le jeu. Et on va pouvoir enfin faire du faire du Euro Truck sur, enfin faire du American Truck sur, enfin en live pour le coup. Voilà, c'est ce que j'essaie de dire, en live, parce que j'essaie de me concentrer un minimum. On va pouvoir faire du American Truck en live. Donc pour le coup, j'ai rien, absolument rien qui est réglé, les amis. Mon frein moteur, il est absolument pas réglé. Donc je suis obligé de le faire, on va dire, à la main, entre guillemets. Enfin, au clavier, donc je joue avec les deux, pour le coup. Donc pour le coup, ouais, je pense que franchement, ce volant-là, franchement, c'est vrai qu'il est top. Il est super confortable, super agréable à conduire. Il est reconnu par pas mal de jeux, et ça, franchement, ça fait plaisir, parce que ça permet de régler vraiment chaque chose comme on le souhaite. Et ça, ça fait super super plaisir. Donc franchement, si je dois recommander ce volant, oui, je dois le recommander, parce que tout simplement, pour le prix qu'il est, franchement, oui, il vaut le coup. Bon, après, évidemment, vous pouvez le trouver à différents prix. Vous pouvez vraiment le trouver à différents prix, et ça, voilà, moi pour le coup je l'ai payé dans les 220 € grosso merdo, mais j'ai pas la boîte de vitesse, mais je l'achèterai peut-être à l'avenir pour avoir une touche de réalisme supplémentaire. Mais pour le coup, pour l'instant, je pense que je vais m'en passer pour apprendre justement à régler le volant, à apprendre à le connaître un peu mieux, à passer des petits moments. Pardon. Donc du coup voilà. Donc je pense que oui, on va même pouvoir d'ailleurs avoir d'autres jeux. Donc à l'avenir sur la chaîne, vous aurez des nouveaux jeux. Donc je pense que je vais regarder ça quand j'aurai 5 minutes. Je regarderai ça, et puis je pense que à l'avenir vous aurez un nouveau jeu qui va apparaître sur la chaîne. Quand, je ne sais pas, parce que il faut que j'ai le temps de regarder ce qui se fait, et pour le coup pouvoir déjà découvrir, enfin regarder un peu le jeu, vous le faire découvrir avec, enfin, vous le faire découvrir, et pour le coup voilà. Donc je pense que ça va être un jeu, ça sera un jeu évidemment comme pour la chaîne, enfin c'est un jeu qui sera comme dit la chaîne, c'est un jeu gaming, donc un jeu de simulation pour le coup. Donc c'est pas pour rien que LCS, ça veut dire la chaîne simulation. Donc pour le coup voilà, j'ai même des sensations de conduite sur le volant, c'est vraiment super agréable. J'ai vraiment des bonnes sensations une fois bien réglé. Bon, je pense que j'ai des petits trucs à faire à droite à gauche, mais pour le coup c'est vraiment sympa, et j'aimerais bien que ça continue comme ça. J'espère qu'il y a beaucoup de jeux encore qui reconnaissent. J'espère qu'il y a encore beaucoup de jeux qui reconnaissent le volant. Donc je pense que oui, parce que maintenant le G29, ça fait un moment qu'il est sorti pour le coup, et franchement ça fait plaisir. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça avec vous les amis. Et pour le coup voilà, donc du coup on va peut-être, attends, je vais faire un petit truc les amis, hop.
Donc pour le coup, je vais lire les commentaires tout de suite, tant qu'à y être. J'en ai eu que 8 pour l'épisode dernier, donc c'est sympa. Alors on commence avec Loulou Agrippation qui me fait coucou papa GG, super vidéo, continue comme ça. Tu es trop marrant, tu me remontes le moral. Bon bah pour le coup, c'est cool, bah tant mieux, bah j'espère. Bah pour le coup, c'est le principe, l'envie que j'ai, c'est vraiment que bah moi déjà je m'amuse, que vous aussi vous vous amusez à me regarder, que vous passez un bon moment, que vous détendiez, que voilà, vous pensez à autre chose que les problèmes de la vie entre guillemets que vous pouvez avoir vous-même. Donc franchement oui, franchement voir des commentaires comme ça, ça me plaît, c'est je suis vraiment content, c'est le but. Donc du coup voilà, on continue avec Chelsea qui fait MDR GG, c'est plus conduire. Non, pour le coup non, j'ai tendance à plus savoir conduire. Bon, beaucoup maintenant ça devrait aller mieux parce que j'ai mon volant. Donc c'est cool. On va continuer avec Valtorek qui me fait salut GG, pouce bleu pour cette vidéo. Bah merci pour ton pouce bleu, ça fait super plaisir. Et en tout cas, je vois que tu es de plus en plus actif sur la chaîne. Et ça me fait énormément plaisir. On va continuer avec Izuki GG, la vidéo continue comme ça. Alors. Bah merci Yuzuki pour ton petit commentaire, franchement ça fait plaisir. Vous êtes vraiment une communauté, vous me soutenez, je vous propose des jeux divers et variés et franchement bah vous avez l'air d'aimer ça et franchement c'est cool, j'espère que ça va continuer comme ça longtemps. Et bah pour le coup au fur et à mesure du temps vous verrez de plus en plus de jeux et ça sera cool, vous aurez aussi de plus en plus de contenu. Et bon, pour ceux qui sont pas encore au courant, vous avez donc la vidéo découverte de ce volant, donc la première vidéo unboxing de la chaîne, donc évidemment qui n'est pas sponsorisée ni en partenaire avec la marque Logitech. Mais vous pouvez quand même aller voir la vidéo, soit je vous mettrai la vidéo en fiche, si j'ai pas oublié, je vous mettrai la vidéo en fiche, et bah, comme ça au moins vous pourrez voir la vidéo après celle-ci. Donc du coup on va continuer avec Nolan. Nolan qui me fait super vidéo, continue comme ça. T'as eu ton volant, donc pour le coup oui j'ai eu mon volant. Et tu pourrais faire une vidéo découverte du volant. Bah, pour le coup c'est fait. Après on va continuer avec Thomas qui me fait salut GG, super vidéo. Non j'ai pas eu le hashtag bouletterie LCS avec mon commentaire. Alors, pour le coup, je ne m'en souviens pas de ce que tu m'avais marqué, mais oui, c'est vrai que le hashtag bouletterie LCS, pour le coup, ça commence à venir, et vous commencez à vous en souvenir, et ça, c'est vraiment cool, ça me fait vraiment plaisir, parce que voilà, je trouve que ça fait la petite identité de la chaîne quand même, ça fait, voilà, c'est ma connerie à moi, et, on entend ça nulle part ailleurs, et franchement, ça peut me faire que plaisir. Ça peut me faire que plaisir, donc franchement c'est cool. Donc bah du coup voilà, je crois qu'il reste un commentaire, mais malheureusement je vais pas pouvoir le lire. Bah, je suis vraiment désolé, faut vraiment que j'apprenne à m'organiser un peu mieux avant de tourner, que je prépare ça mieux parce que voilà, il faudra que je prépare ma tablette pour avoir les commentaires pour pouvoir lire, parce que autrement je suis obligé de faire un contrôle M, donc un contrôle Windows pour revenir sur le bureau et faire défiler, parce que c'est pas comme sur Farming, vous appuyez sur Windows, le jeu reste apparaître vous reste apparaître et puis moi je peux défiler le machin, vous avez juste le coupure de son. Bah pour le coup sur American Truck c'est pas comme ça, et c'est vrai que c'est un peu dommage. Alors du coup là je sais pas si je dois sortir, comment que je dois sortir. Bah, pour le coup je dois sortir comme ceci. Donc du coup, bah, pour le coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires des petites choses qui pourraient vous plaire sur la chaîne. Bien évidemment, des choses qui ont déjà été dites, comme par exemple Fortnite, etc. Ça c'est niette. Hein, pour le coup, j'aime pas du tout, j'accroche pas. Et pour le coup, c'est tout sauf de la simulation. Donc on va juste pas y faire. Mais par exemple des trucs comme Project Cars, Bus Simulator, ce genre de trucs là, ça pourrait être sympa à vous faire je pense. Ça pourrait changer un petit peu. Et pour le coup, bah, de temps en temps en live, pourquoi pas quand je serai tout seul, pour changer un peu du farming, bah, je vous ferai ça un petit peu. Donc ça pourrait être sympatoche. Hein.
Et bien sûr aussi, j'ai remarqué en ce moment que ces dernières semaines, c'est un peu plus compliqué sur YouTube. Vous êtes un peu moins présent. Voilà, bon, bah, j'espère que ça va revenir. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux à revenir pendant les vacances. Hein, parce que pour le coup, on approche des vacances à grands pas. Et franchement, j'ai hâte parce que c'est vrai qu'on est un peu moins nombreux que d'habitude en live. Et ça, franchement, voilà, c'est un peu. On voit que la fatigue est présente quand même parmi certains d'entre vous. La fatigue est quand même bien présente. Donc voilà, je pense que c'est pour ça. Donc franchement, j'ai hâte que les vacances arrivent, que vous soyez de plus en plus nombreux. Et j'ai hâte aussi de passer enfin les 600 abonnés, même si on a vraiment un peu de mal à les passer. J'ai remarqué ça, que là, arriver aux 600, c'est un peu compliqué. Donc du coup, bah, j'espère qu'on va les passer aussi vite que les 500 et pourquoi pas les 1000. Donc c'est vrai que j'en ai parlé en live hier. On m'a posé la question: est-ce que tu ferais un live 24 heures pour tes 1000 abonnés? Alors, si je peux le faire, si physiquement je peux le faire, je vais essayer de le faire. Mais pour le coup, il faut qu'Ingrid ne travaille pas, parce que si Ingrid travaille, bah, ça veut dire qu'il faut que j'aille l'emmener au boulot. Donc ça veut dire que je ne peux pas être devant l'écran. Ah, je me suis trompé de route. Je ne peux pas être devant l'écran, donc pour le coup. Oula, freine. Je ne peux pas être devant l'écran, donc du coup, bah voilà, ça va pas faire réellement 24 heures. Mais c'est vrai, comme je vous l'ai dit, physiquement, bah, j'ai des problèmes de santé, les amis, donc c'est vachement compliqué pour moi. Donc il faut que je pense déjà à ma santé. Que 24 heures peut-être pas, mais je vous ferai peut-être des lives 12 heures, parce que c'est vrai qu'on a essayé d'en faire un il y a pas longtemps, mais on n'a pas réussi à tenir plus de 9h30. Donc on va vraiment essayer, mais pour le coup là, parce que là c'était vraiment pas prévu. On s'est dit voilà, on y go, on essaye et puis on verra bien. On essaie, on verra bien jusqu'à quelle heure on va tenir. Mais là, bon, pour le coup, il faudrait que je m'organise plus que ça. Et, bah, je vais quand même, bah, déjà commencer beaucoup plus tôt, là, à la place de commencer à 20h, je vais commencer dans l'après-midi, tout simplement. Donc comme ça, arriver à minuit, 1h du matin, voire 2h du matin, bah, on arrivera à 12h. Et bah, comme ça, au moins, vous aurez votre live 12h. Donc je pense que le format 12h, ça sera plus accessible pour moi que le format 24h. Mais pour le coup... c'est sûr que pour le 1000e abonné, c'est sûr que là, oui, je vous ferai un petit truc spécial. Donc je vous ferai un grand live. Je pense que si je vais garder ça, ces lives, les lives 12h, je vais les garder pour les grandes occasions. Donc par exemple, bah voilà les amis, ça va être votre nouveau défi pour vous. Donc c'est de me faire passer la chaîne des 1000 abonnés. Au 1000e abonné, vous aurez un live 12h non-stop. Donc 12h non-stop, donc c'est-à-dire sans pause. Donc ça va être avec vous de A à Z. Et pour le coup, je vais essayer de m'organiser avec la chaîne. Je vais essayer de m'organiser avec la team pour que voilà, je sois pas forcément tout seul, mais que je sois un peu accompagné quand même, parce que comme ça on vous fera soit un spécial 12h farming ou American Truck ou varié, je sais pas, on va voir suivant qu'est-ce qu'il y a comme jeu à ce moment-là sur la chaîne. Donc franchement, pourquoi pas, ça pourrait vraiment être très intéressant, parce que vous êtes vraiment assez nombreux, même quand je live très tard. La preuve, quand on avait arrêté à 4h30 la dernière fois, on était même encore une vingtaine sur le live. Et franchement, ça me fait super plaisir, parce que vous êtes là quand même. Vous essayez d'être là le plus longtemps possible, même si certains ils sont cachés sous la couette. Et pour le coup, franchement c'est vrai que c'est bon, voilà, il faut pas non plus vous faire confisquer votre téléphone, les amis, ou votre PC. C'est pas le but non plus, mais bon, c'est vrai que ça fait plaisir, vous me soutenez, et franchement ça peut que me faire plaisir. Et pour le coup, j'espère que ça va continuer comme ça. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux. Je sais, je me répète, pourquoi je dis ça sans arrêt, parce que tout simplement, voilà, c'est mon souhait, c'est de vraiment réussir sur YouTube. C'est mon objectif, c'est de réussir sur YouTube. C'est vraiment de réussir, donc je donne tout ce que je peux pour réussir sur YouTube. Oh, une dépanneuse.
pour réussir sur YouTube, pour vous donner un contenu qui vous plaît, de vous faire des trucs un peu entre guillemets inédites, même s'il y a pas mal de choses quand même qui ont déjà été fait. American Truck, ça a déjà été fait, mais c'était fait il y a longtemps et beaucoup avant que je m'y mette, je trouvais pas de vidéo American Truck par exemple récente. Donc quand je dis récente, qui date de moins d'une semaine par exemple, c'est vrai que là il y a quelqu'un d'autre qui s'est émis, je vais pas citer de nom, mais voilà, c'est quand même j'ai remarqué ça, c'est pour ça que je me suis dit, bah tiens, voilà, ce jeu ça peut être vraiment intéressant, parce que il y a personne qui l'a fait. Il y a personne qui l'a fait depuis un moment. C'est un jeu qui est sympa quand même, mine de rien, même s'il y a pas. Il pourrait y avoir plus de contenu, ça pourrait être. Mais bon. A priori, bon, j'arrive à convertir quelques-uns d'entre vous quand même à ce jeu-là. Vous êtes quand même quelques-uns à me suivre sur cette série. J'espère que ça va continuer comme ça. J'espère qu'on va continuer à monter comme ça. Je suis en panne de carburant. J'espère que j'arrive, parce que il va falloir que je fasse du gasoil. Alors j'espère que faut que je trouve une station essence. J'espère que ça va continuer comme ça, mais pour le coup, c'est vrai que vous me dites ça, GG, tu gères, etc. Dinana. Le truc, c'est que si vous n'êtes pas là pour partager les contenus, les amis, si vous n'êtes pas là pour vous êtes pas là pour donner de l'avis sur le live, par exemple, à communiquer, à écrire sur le chat, à beaucoup, en fait, je serai juste comme ça. Voilà, tout simplement, je serai comme ça. Il n'y aurait pas de vie. Si vous regardez les premiers lives de la chaîne, pour le coup, il n'y avait pas vraiment de vie, il n'y avait pas beaucoup de monde. J'étais tout le temps tout seul. Même si Ingrid la venait de temps en temps sur Discord, mais bon, elle parlait pas non plus, donc voilà, il n'y avait pas de sujet de conversation, donc il n'y avait pas d'animation du tout sur le live. Et pour le coup, voilà, mais maintenant c'est mieux, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Pour les vacances de la Toussaint, c'est pas les vacances de la Toussaint, enfin bref, les vacances d'octobre, pour le coup, je pense que je ferai un live le vendredi en plus. Pour vous donner encore un peu plus de contenu, parce que maintenant, pour ceux qui le savent pas, vous avez une vidéo 7 jours sur 7, ça y est, on a atteint les 7 jours sur 7, vous avez, alors on va continuer ensemble, vous avez déjà 7 vidéos, vous avez 4 lives supplémentaires, donc ça fait quand même 10, au final, ça fait quand même 10 contenus sur la chaîne, entre guillemets, donc 10 vidéos en comptant les rediffs de live, parce qu'on peut appeler ça une vidéo, la rediff. Une vidéo, donc pour le coup, ouais, franchement, c'est vraiment du gros contenu, et franchement, je m'éclate à vous faire ce contenu-là, je m'éclate à vous faire tout ça. Donc, du coup, je pense qu'on va arriver, j'espère, parce que là, je suis presque en panne sèche, je suis obligé d'écraser les freins. Bon, pour le coup, j'ai aucun bouton de programmer, donc je peux klaxonner aussi fort que je veux, ça change à rien. Il me dit encore 29 minutes. Je pense que on va avoir quelques cuts, les amis, parce que là, franchement, l'épisode là, il va être très long. Donc oui, je vais aussi revoir un peu à la baisse aussi les durées de vidéos, les amis, parce que les vidéos sont trop longs au montage, ça me prend beaucoup trop de temps, parce que si je veux vous faire un beau montage, automatiquement ça me prend du temps, et pour le coup, voilà, c'est assez compliqué, c'est assez compliqué, donc pour une vidéo qui dure à peu près une demi-heure, ça me prend facilement 2 heures de montage, ça va, c'est pas énorme, mais bon, il faut pas oublier qu'entre temps j'ai des choses à faire aussi, donc voilà, il faut que j'arrive à gérer les deux. Donc il y aura des. Je pense qu'on va rester toutes les vidéos, je pense que je vais les mettre sous format 20 minutes. À part American Truck, parce que là, vu qu'on n'est pas arrivé encore, ça va durer le temps de la cargaison que je vous ai dit. Hein, ça peut durer un quart d'heure comme une demi-heure. Ça dépendra. Mais bon, là, pour le coup, je vais pas avoir du gros montage à faire, donc ça va aller vite. J'ai juste une scène ou deux à couper, c'est tout, ça va être vite fait.
Mais pour le coup, voilà, c'est vrai que j'ai envie de faire un peu plus le clown en vidéo. Pour le coup, je sais pas pourquoi, j'ai un coup de barre, c'est horrible. J'ai envie de vous faire. Ah tiens, bah en vidéo, ça fait longtemps. Ouais, tiens, oui, ça fait très longtemps. C'est vrai que j'ai envie de vous faire un peu plus le clown, vous donner un peu plus d'animation, voilà, de faire. Bon, c'est vrai que des fois j'ai tendance, quand il y a des trucs, par exemple, au moment de l'accident, je fais des cuts, mais chelou, donc du coup, voilà, en montage, je vous fais un putain de zoom sur ma gueule pour vous faire rigoler un petit peu. Donc je sais pas si c'est l'effet escompté est là. J'ai remarqué aussi que sur certains montages, il y a un petit décalage entre les effets et le moment H, mais pour le coup, je suis pas sûr que vous percutez parce que voilà, vous avez pas fait le montage, donc vous savez pas forcément comment que ça doit être, mais quelqu'un qui a un œil plus avisé. Par contre, lui, cette personne-là peut voir la différence. Pour voir, tiens, ah, il y a un petit décalage. Bon, c'est vrai que c'est plus flagrant, surtout quand je fais des accélérés. C'est plus flagrant quand je fais des accélérés que la musique elle démarre une seconde, à peu près entre une à deux secondes avant l'avance rapide. Et ça, c'est gênant. Ça, c'est vraiment très très gênant. Donc, oh putain, il y a un feu. Ça c'est vraiment très gênant. Ça c'est vraiment très gênant. Donc du coup voilà, j'essaie d'arranger le truc. Bon, j'essaye en montage, j'essaye d'anticiper le problème. Donc je décale à peu près d'une minute, grosso merdo, mais j'essaie de décaler d'une seconde. Mais comment dire, mes effets pour que ça rentre une fois sorti le montage, que ça rentre pile poil, pile au bon moment. Bon, après je pense qu'il peut y avoir un petit décalage encore, mais bon, ça c'est mon logiciel, je peux strictement rien faire malheureusement, c'est comme ça. Mais bon, j'espère que quand même les montages vous plaît, parce que je mets du temps, je mets de l'amour aussi à vous faire ça, parce que franchement je m'éclate à le faire. C'est vrai qu'on m'a déjà dit, pourquoi tu demandes pas à un monteur spécialisé de le faire? Ben, tout simplement parce que ça coûte de l'argent de faire ça, et franchement c'est gênant, parce que voilà, comme beaucoup d'entre vous, ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que YouTube, je veux en faire mon métier, mais pour l'instant je ne gagne pas d'argent avec YouTube, pour ceux qui le, hormis les dons bien sûr. Hormis les dons et les jeux que vous achetez via le lien Instant Gaming que je vous mets à disposition dans la description. Donc pour le coup, n'hésitez pas à aller faire un tour, les amis. Donc pour le coup, voilà, je gagne pas assez d'argent. Donc là, après, il faut voir que c'est un salaire. Donc là, c'est quand même un salaire à donner. C'est un temps de travail qu'il faut. Voilà, parce que si je donne. Après, je pourrais donner facilement à un monteur toutes les vidéos à faire. Oui, c'est sûr que je l'occuperai une semaine sans problème. Et le problème, c'est que voilà, le gros problème, c'est que je ne gagne pas d'argent avec YouTube, je ne gagne pas des sommes, comme certains peuvent le croire, je ne gagne pas des grosses sommes, mais vraiment pas du tout, parce que là, vu qu'on n'a pas encore atteint les 1000 abonnés, j'ai pas la YouTube monnaie, je gagne rien, je suis pas sponsorisé du tout, j'ai absolument aucun sponsor. Donc du coup voilà, j'ai absolument aucun sponsor. Donc il faut pas croire que ils gagnent de l'argent, ils sont des gueules, etc. De toute façon, au final, oui, c'est sûr que je gagnerai de l'argent sur votre dos parce que vous me regardez, tout simplement. Mais si vous regardez ce que je vous donne en contenu, c'est que ça vous plaît naturellement. Mais surtout, j'ai envie d'en faire mon métier. Donc si j'ai envie d'en faire mon métier, naturellement, vous aurez tout le temps du contenu. Donc vous aurez du gros contenu, je vais essayer le plus longtemps possible bien sûr de vous faire du gros contenu, de vous garder un contenu à peu près le même contenu sur la chaîne. Donc c'est par exemple 7 jours. Bon, alors, j'arriverai peut-être pas à faire 7 vidéos par semaine, parce que tout simplement le jeudi, c'est le jeudi tuto. Mais pour le coup, voilà, c'est quand je saurai plus quoi vous faire en tuto, bien naturellement vous aurez plus de vidéos, ça c'est clair et net. Mais bon, après ça pourrait peut-être être remplacé par des vidéos unboxing, mais pour ça il faut que je trouve des partenaires, il faut qu'il y ait des marques qui acceptent un partenariat avec moi, ou un sponsoring tout simplement, même si je suis petit. Je pense que grâce à ça, déjà ça me permettrait de vivre.
en partie parce que voilà, certains ils proposent de l'argent, donc pourquoi je dirais non? Parce que non, je dirais pas non naturellement, parce que tout simplement, si je dis non, à un chèque, donc automatiquement, si je dis non à un chèque, je peux pas en vivre derrière. Donc il faut pas oublier que si je travaille pour vous, les amis, donc c'est mon entre guillemets, mon employeur, c'est vous, même si je suis libre de mon temps, je fais ce que je veux. Vous êtes quand même, si vous n'êtes pas là, tout simplement, c'est comme n'importe quel youtubeur, hein, comme par exemple Stereo Energy. Si il y a personne sur ses streams, il y a personne à regarder ses vidéos, c'est clair et net qu'il y aura strictement pas un copec, pas un sou. Pour Sterler, c'est pareil, s'il y a personne, si les 700 000 abonnés du jour au lendemain ils disparaissent, c'est clair et net qu'il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien parce que les marques ils vont lui dire bah non, t'as plus personne qui regarde tes vidéos, pourquoi on donnerait un chèque? Tout simplement. Après, c'est sûr, c'est des placements de produits, mais pour le coup. Voilà, ça vous permet de découvrir du nouveau matériel qui est disponible à l'achat. Donc d'un côté, je pense que vous êtes assez content de découvrir ce genre de truc là parce que voilà, je dis ah tiens, c'est super ça, je connaissais pas, et puis pour le coup vous allez vouloir l'acheter. Et c'est l'intérêt de ces vidéos là. Il faut pas croire que les mecs ils font ça c'est juste pour le pognon. On dit non, par exemple Stereolos, ça fait un moment de ça, il a découvert le casque, donc ce casque là, celui que j'ai sur la tête, mais en version filière avec son support. J'ai regardé cette vidéo là hier soir, et pour le coup, il a refusé le chèque parce que voilà, lui, il kiffe en fait ouvrir des paquets, c'est son délire, il adore ça, il kiffe ça. Et mais pour le coup, voilà. Après, moi, je veux faire ça aussi parce que vous êtes plusieurs à me le demander, parce que vous étiez plusieurs à me demander, fais des vidéos unboxing, fais des vidéos de ce style là. Voilà, si je peux le faire, je vous le fais. Mais bon, après, là, pour le coup, des vidéos unboxing, je vais pas pouvoir vous en faire une fois par semaine. C'est pas possible, c'est clair et net. Je suis pas riche. Parce que là, pour le coup, le volant, non seulement grâce à vous, mais j'en ai mis aussi de ma poche. J'ai pu avoir ce fameux volant. Et pour le coup, ça vous a fait votre première vidéo unboxing. Donc, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez pas encore vu, je vous invite à aller faire un tour dessus. Et puis, sur ce, nous, on va se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, pour le coup, à ce soir pour un live entre 20h et 20h45. Et puis, sur ce, ciao! Je vous adore, les amis. Let's dance.